L'avion transportant 101 cartons d'encre indélébile en provenance de la Guinée-Conakry foule les tarmacs de l'aéroport à Saint-Djamous, c'est samedi, peu après 23 heures. Ce matériel électoral est un don de la République de la Guinée-Conakry au Tchad. La délégation guinéenne conduite par la chef de mission Awa Badiane est accueillie à la descente de l'appareil par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Sini, accompagné de ses proches collaborateurs. C'est quand même particulièrement émouvant qu'un pays africain comme la Guinée puisse comme ça penser à nous. On ne s'y attendait pas du tout. Nous venir en aide, en appui avec ces deux matériaux qui sont quand même très importants, et je dois même dire que ces matériaux sont arrivés à point nommé, et pour nous c'est un motif de satisfaction. Le soutien de ces pays amis réconforte le président de la CENI. Selon Cody Mohamed Bam, ces matériels renforcent davantage les processus entamés par son institution, à savoir les fichiers électoraux et la tenue des échanges électoraux prévu cette année.